5h après-midi environ, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Gros bonsoir pour nous tous, nous sommes très contents pour nous rentrer la carrière après-midi. Et comme vous connaissez déjà, la télévision d'État qui décrétait la permanence depuis hier soir, et matin encore vers minuit, arrivé jusqu'à 1h du matin, c'est une émission spéciale au niveau de la télévision d'État. Et depuis, il y a différentes équipes en dans télévision d'État qui retrouvent sur le terrain pour capable porter dernières informations pour vous par rapport à terre qui tremblait dans le pays d'Haïti. Et là, à côté de nous, hier, nous retrouvons sous piste aéroport international Toussaint Louverture. Côté, nous gagnons une équipe télévision l'État qui a prêté Titan, président de la République, là, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui a rentré lui-même au niveau de l'aéroport là. Côté, il va pour le présenter en conférence suite à visite qu'on souhaite réaliser au niveau de Grand Nord pays. On a parlé de trois départements qui ont même particulièrement touché par le passage du séisme de ce samedi 6 octobre. Un séisme qui passait aux environs de 8h du soir hier soir et qui gagnait en magnitude de 5.9 sous échelle Richter. Là. Et là, déjà, nous avons un peu d'informations par rapport à première donnée que protection civile, que direction protection civile communiquait avec nous. Nous voulons parler tout de toute instance qui concernait par état d'urgence qui décrétait aujourd'hui pour faire gestion ou bien pour faire une meilleure gestion de phénomènes naturels, ça, que nous, pour les gens, capables de finhabituer avec. C'est vrai que le message est toujours lancé par rapport à une précaution que nous devons prendre, par rapport à la mise en garde que nous devons prendre. Mais jusqu'à présent, nous entendons sur le fait que nous pourrons jamais capables d'habituer à un modèle phénomène ça. Et là, j'aime dire, présence nous au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture, côté dans la salle de presse qui gagne, dans le salon diplomatique là, président de la République là, pour le gagner pour que l'IBA ait conférence de presse là. Et conférence de presse là, c'est autour de visite. Président, dans trois départements, nous sommes cités là. On a parlé de Artibonite, on a parlé de Nord et on a parlé de Nord-Ouest. Et nous connaissons le Nord-Ouest, particulièrement la ville de Port-de-Paix, c'est une ville qui est touchée après passage séisme là. D'ailleurs, épicentre, nous même les retrouvons dans le canal de la Tortue, qui est situé là en vingtaine de kilomètres d'ailleurs de ville Port-de-Paix. Donc nous comprenons que c'est là, eh bien, des gars, même yo majeur par rapport à l'autre zone. Lundi majeur, c'est toujours par rapport à l'autre zone, puisque nous connaissons, c'est Port-de-Paix, c'est Gaumont qui ont même particulièrement touché. Et selon les dernières données que Protection Civile communiquait avec la presse, communiquait avec les médias et communiquait sur toute plateforme que le gars est disponible pour ça, il fait état tout de 11 morts au niveau de la commune de Saint-Louis-du-Nord. Et Jean est déjà capable de remarquer le soutien qui commence avec nous, commence à gagner un mouvement. Cap fait sur piste aéroport international Toussaint Louverture là, côté président, il est déjà arrivé, puisque là, il y a un hélicoptère là que nous avons l'impression qu'il est déjà arrivé. Donc, président qui lui-même va gagner pour lui prononcer à Nation, prononcer via la presse à Nation pour qu'il soit capable d'informer ce qui ça, il a gagné dans les comme données par rapport à passage tremblement de terre là, qui disposition qui prend déjà. Qui disposition qui annonce pour prendre, puisque j'en suis capable déjà constater, ou même amis téléspectateurs et téléspectatrices qui retrouvent soit dans le Grand Nord là, ou bien dans le département de l'Ouest, nous continuons à subir des secousses sismiques. Et par rapport à secousses, ça, nous connaissons que nous avons une population qui j'aime des îles d'Aléa, pour que j'aime capable de finir habitué à un modèle phénomène naturel. Ça, donc, c'est très important pour que l'autorité, à travers cellules d'urgence que nous connaissons qui forment, qui viennent en tête les premiers ministres pays, on a parlé de M. Jean-Henri Seyan, ensemble avec plusieurs autres ministères sectoriels, on a parlé de ministère de santé publique, on a parlé de ministère de l'intérieur, on a parlé de différents autres ministères qui concernaient par Sakapri Villajoudia, qui ont même concerné et qui fait partie de cellules d'urgence, ça, qui a bien pour que le travail par rapport à phénomène ça et par rapport à disposition que nous dit qui doit prendre pour que nous capables de faire face avec phénomène ça. Là, président pratiquement arrivé, puisque vous capable de suivre avec nous sous petit écran, le président qui est pratiquement arrivé, puisque là c'est l'hélicoptère là qui a posé. Nous-mêmes, nous décréter la permanence, Jean de Dille, pour que nous permettre que vous vivez, mais moment ça, permettre que vous vivez, arrivé président, et nous rappelons que président t'es allé en visite par rapport à tremblement de terre ça qui saute frappé pays a et continuer gagner des secousses j'aime de dire d'ailleurs qui ont même a fait sentir un peu partout à travers pays a et particulièrement dans zone qui est plus touchée puisque nous connaissons que c'est la traumatisme les plus élevé en zone d'un coup port de paix dans le nord-ouest du pays ces zones qui particulièrement concernées et c'est ça que fait tout président de la République là, M. Jovenel Moïse, était rendu au niveau de Nord-Ouest pays. Nous sommes toujours sur place pour nous permettre de vivre.
arrivé président de la République là. Nous sommes sur place pour nous permettre qu'on vive. Arrivé président de la République là, son excellence monsieur Jovenel Moïse, qui à peine arrivé, hélicoptère qui a pu transporter la République là à atterri au niveau de piste. Au niveau de piste là, dans l'aéroport international Toussaint Louverture, côté président, accompagné de plusieurs autres personnalités, t'es rendu dans les départements du Nord, du Nord-Ouest et de l'Artibonite. Le président de la République, suivi du ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, l'ingénieur Fritz Caillot. Le président de la République qui a été reçu par le responsable de protocole du Palais National, Monsieur Mazil, ambassadeur Mazil, et président qui a salué autorité dans l'État, il salue ministre Justice et Sécurité Publique, il salue directeur de cabinet du Premier ministre qui a même tout fait déplacement pour venir accueillir le président, il salue ministre intérieur et collectivité territoriale là, Monsieur Jean-Marie Rinaldo Brunet, et toute l'autre personnalité dans l'État, responsable au niveau de la protection civile, qui t'a fait déplacement pour que yo te vienne accueillir chef l'État qui sortit de yon visite de quelques heures au niveau de plusieurs départements du Grand Nord. Donc à citer département Artibonite, département du Nord en tant que tel, et le département du Nord-Ouest. Le département du Nord-Ouest, je nous connais déjà, c'est le département qui, jusqu'à moment n'a parlé à là, selon dernière donnée, jusqu'à présent, selon dernière donnée, c'est le département qui pi touché après passage séisme ça. Un séisme de magnitude, je te dis tout à l'heure, que dernière donnée, que unité qui gagne contrôle, donné ça, il se dit que séisme ça, il a une magnitude de 5.9 sur l'échelle Richter là. Et il est passé dans la nuit hier samedi, exactement à 8h12, dans souhait. Et c'est quand même panique totale au niveau du département ça, département Nord-Ouest. Mais tout, panique tout, un peu partout à travers le pays, puisque eh ben, tout côté d'un pays a été senti ce coup ça par rapport à passage tremblement de terre là. Il y a un deuxième hélicoptère qui est censé arriver sous piste. Probablement, il y a un Premier ministre Jean-Henri Seyan Ladani avec de l'autre autorité, de l'autre personnalité qui était accompagné président dans le cadre de visite ça. Nous, toujours au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture, toujours sous piste là, nous permettons que vous vivez arriver deuxième hélicoptère ça. Entre temps, qu'il nous dit que nous là, pour que nous capables permettre que au vive conférence de presse post-visite du président de la République là, qui sorti dans le nord, dans le nord-ouest, dans la Tibonite, côté li saute recueilli des informations, côté li saute garder comment réalité a lui-même li présenté au niveau de trois départements ça yo après passage séisme ça. Un séisme qui déjà fait une dizaine de morts selon dernière donnée. Nous toujours sur place pour que nous capables permettre ou vivre. Pour que nous capables permettre ou vivre arriver deuxième hélicoptère là, un deuxième hélicoptère qui était gagné là dans le secrétaire d'État à la communication monsieur Eddy Jackson Alexis. Monsieur Eddy Jackson Alexis qui était dans un deuxième hélicoptère qui à peine posé au niveau de piste aéroport Toussaint Louverture. Secrétaire d'État qui a pu saluer les ministres qui sont présents au niveau de piste aéroport là. Et un troisième hélicoptère qui a privé, dans le moment où on a parlé là. Un troisième hélicoptère qui a privé, dans le moment où on a parlé là. Est assemblé ces hélicoptères, Premier ministre, notaire Jean-Henri Seyan, qui est même à peine arrivé. Donc c'était quasiment trois hélicoptères qui étaient gagnés, autorités, qui ont même sauté
rendons visite à la population dans trois départements qui sont particulièrement concernés par ce tremblement de terre, par ce séisme d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter et qui causait pas mal de dégâts au niveau de trois départements côté autorité dans l'État. On a parlé de président de la République là, son excellence M. Jovenel Moïse, on a parlé de Premier ministre Maître Jean-Henri Seyan, on a parlé de plusieurs autres hauts dignitaires dans l'État, parmi eux ministres et secrétaires d'État. Et nous sommes tout à l'heure arrivé secrétaire d'État à la communication, M. Eddy Jackson Alexis. Et là, c'est le Premier ministre lui-même qui a arrivé, qui a descendu un hélicoptère qui conduit vers Port-au-Prince. Et j'aime dire tout à l'heure, c'est certain que gagné en pile données que l'autorité a recueilli par rapport à passage tremblement de terre là. Et voilà, le notaire Jean-Henri Seyan, premier ministre de la République d'Haïti, qui avait accompagné le président de la République au cours de cette visite dans le Grand Nord. Premier ministre qui a salué Minicio, qui a salué l'autre personnalité. Et tout le monde qui est là, a fait prendre direction. Et tout le monde qui est là, a fait prendre direction. Salle de conférence, hein, salle de presse, là, côté président, pour offrir une conférence de presse. Et avec le Premier ministre, il y a aussi plusieurs autres ministres. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, M. Jean-Marie Rinaldo Brunet. La ministre de la Santé publique et de la Population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément. C'est autant de personnalités qui étaient ensemble avec le président de la République, là, Premier ministre, là, qui ont même à peine arrivé au niveau de piste aéroport international, tout son ouverture. Et quoi, elle est là, nous allons traverser au niveau de salle de conférence, là, côté président, lui-même, lui allons gagner pour que lui baille une conférence de presse, et une conférence de presse qui, quand même, pourra permettre que le président partage avec nous toute information qu'il recueille après visite que le saut fait dans trois départements dans le Grand Nord pays d'Haïti. Nous avons un petit campé, nous avons tout de suite après pour nous permettre qu'on vive conférence de presse là.